la fonction f qui va de R dans R, telle que x est pour image la valeur absolue du sinus de la valeur absolue de x a pour graphe un de ces cinq. Question, lequel? Comme l'image de moins x, c'est la même chose que l'image de x par cette fonction f, nous savons que la fonction f doit être paire. Et par conséquent, l'axe des y doit être axe de symétrie du graphe de la fonction. Par ce fait, nous pouvons déjà éliminer ces trois réponses, vu que cette fonction est impaire, celle-là n'est ni paire ni impaire, et celle-là non plus. Comme en plus, le sinus de 0 est égal à 0, nous savons que l'image de 0 par cette fonction f doit être égale à 0. Et par conséquent, le c est également à exclure. Il ne reste plus que le b. Par conséquent, le b est la bonne réponse.